J'ai remarqué que vous êtes plusieurs à participer aux trucs que je fais. Mettons, comme la semaine passée, je vous avais demandé de m'envoyer des photos de votre couple. Puis je dois en avoir reçu à peu près 200 ou 300 là, en inbox. Fait que je me suis dit, cette semaine, on va fesser fort en tabarnak! Smooth, depuis que l'été est arrivé, là, y'a pas un crisse de chat dehors. Passer tout l'hiver, rester à chialer qu'il fait trop frais dehors pour sortir, mais quand le soleil arrive, ok, qu'il se monte enfin la face, ben vous restez en dedans, parce là, ben il fait trop chaud pour sortir. J'aime pas l'été, moi, pis je vais dehors pareil, Chris. C'est quand c'est rendu qu'il y a plus de monde qui sont en train de commenter ton statut sur Facebook que de gens qui marchent dans les rues dehors, ben c'est parce qu'il y a un de problème à quelque part, là. Les gens, ils préfèrent bitcher le monde qu'ils connaissent même pas sur leur Facebook à place de sortir dehors pis de triper avec leurs amis. Parce que moi, là, quand je vois le post quelqu'un pour aller triper dehors, là, pis qu'il me répond pas, mais que, en plus de pas me répondre, il écrit un câlisse de statut. Ce qui veut dire que, en plus d'avoir vu mon wall post, ben, il m'ignore, ben, moi, là, ça m'enrage. Ok, ça, là, c'est comme s'il me dirait, ouais, ben, je préfère rester sur mon PC à rien foutre pis veiller sur Facebook que de te voir in real life. Fait que je m'excuse. Excuse, mais oui, c'est insultant, c'est un hostie de temps. Parce que Facebook, ok, c'est supposé être un outil de communication qui vous permet de retrouver d'anciennes connaissances ou pour rejoindre vos amis. Pas pour écrire comment que la vie te fait chier pis ce que t'as mangé pour souper. Hey, avant que je passais 8 heures d'affilée sur ta petite gogosse-là assise sur mon cul pis je m'attendais pas. Mais 1 h 30 au cinéma pis j'en avais plein de cul, moi, là. Me semble que c'est pas normal, mais je suis la seule qui arrive à voir cette anomalie-là. Non, ok, parce qu'on dirait, là, que tout le monde s'accorde pour dire que Facebook, c'est la pire drogue ever. Mais pourtant, les gens, ils ne décrochent pas. Je trouve ça triste qu'on priorise les personnes virtuelles quand que nos vrais amis, ok, ceux qui comptent réellement pour nous, ben ils t'attendent dehors, ça fait 1 heure. C'est pourquoi j'ai décidé de créer un event sur Facebook. Ben oui, Facebook, parce que c'est le seul moyen que j'ai pour vous en rejoindre, moi là. Qui prendrait le fait de sortir dehors? Aller triper dans un parc avec les gens puis socialiser en dehors de les internets. Fait que si ça vous intéresse, ben ça serait vraiment cool que vous iriez jeter un coup d'œil. J'ai mis le lien de l'event dans la description, juste en bas de la vidéo. Je serai au parc Bellerive ce samedi vers midi environ jusqu'à 11 h du soir. Ok, je passe toute la journée là-bas en compagnie de mon copain Kevin Nveka, Urofreak Dude, Eric Beaupré et Maxi Cube, Maxime Brown. Mes seuls acolytes du web. Ça serait vraiment cool que le monde se pointe là-bas puis qu'on tripe toute la journée ensemble juste pour rencontrer des nouveaux visages. Des fois, ça fait du bien dans la vie. Amenez vos guides, vos wacky, vos tam-tam, ok? N'importe quoi, juste pour mettre un peu d'ambiance. En échange, je vous demande une seule et unique chose, c'est de respecter les règlements de la municipalité. On s'entend que si l'event pointe vraiment beaucoup, c'est sûr qu'il va y avoir de la police là-bas. Je veux pas de problème, ok? Je veux pas de fuck. On est supposé être un peuple pacifique. J'aimerais ça qu'on puisse le prouver aux gens. Que, tu sais, même si on va dans des parcs, c'est pas pour foutre de la merde. Parce que là, ils sont en train de nous mettre toutes des hosties de couvre-feu partout dans toutes les villes. Faut quitter les parcs à 11 h le soir à cause des hosties de caves qui ont fait de la merde, ok, pendant la nuit. Puis je trouve ça triste parce que je suis une personne qui vit de nuit beaucoup. Puis c'est rendu que je peux même pas quasiment marcher dehors, ok, à 3 h du matin sans que je me fasse, hey, y a un couvre-feu! Non, ok, ça m'énerve au bout. Comme la police au pays, elle va rester en tripe avec, je m'en fou. On va là, c'est pour rencontrer des gens, on est pacifique, ok? Je veux pas de chicane. Comme l'event se fait à Montréal, au parc Bellerive, y en a beaucoup qui peuvent pas se déplacer, mais vous pouvez le faire, vous, dans votre propre ville. Le but de l'event, c'est pas nécessairement d'aller tout le monde au parc Bellerive samedi. Non, non, c'est que tout le monde sorte à l'extérieur. En autant que vous soyez dehors, ok? En dehors de la technologie. Puis cette journée-là, ça serait vraiment cool que vous preniez une photo de vous à l'extérieur. Puis que le lundi, on mette toute cette photo-là comme photo de profil. Juste pour prouver au monde que même si Facebook y existe, on garde quand même nos priorités. Puis nos priorités, c'est les réels gens qui nous entourent. Sur ça, vous êtes actuellement 54 000 sur ma fanpage Facebook. Let's go, tout le monde au Parc Bellerive! Yeah!